Nous sommes à une distribution de nourriture et de biens de première nécessité organisée au cœur de Paris par des étudiants pour des centaines d'étudiants en difficulté. Et des opérations comme celle-ci, il y en a tous les jours à travers le pays. On estime que 20% des étudiants en France vivent sous le seuil de pauvreté et je vous emmène à leur rencontre. Ce samedi-là, plus d'un millier de jeunes étaient venus faire le plein de provisions offertes tout au long d'une journée organisée par une association étudiante créée pendant la crise du Covid. Avec la flambée des prix et des loyers, les étudiants, en France comme dans le reste de l'Europe, font face à une précarité grandissante. Là, des poireaux, typiquement, c'est pas forcément le genre de choses qu'on va acheter de nous-mêmes. C'est de regarder. Ouais, des kiwis. Les kiwis, ça. Les kiwis, c'est le luxe. Faute d'avoir pu trouver du travail, Mustapha, en cinquième année d'histoire, ne peut compter que sur sa bourse étudiante pour vivre. J'ai 270 euros par mois, ce qui fait que j'ai un loyer de 220 euros à payer, donc il ne me reste plus grand-chose. Heureusement qu'on peut compter sur des associations comme Copains qui viennent en aide aux étudiants. À l'épreuve de la crise, les bourses et aides sociales accordées par l'État aux étudiants ne suffisent plus. Les aides publiques sont encore plus limitées pour les étudiants étrangers, venus nombreux à la distribution. Suédoise, Astrid est en première année d'économie. Mon budget alimentaire par mois, je dirais que c'est environ 80 euros peut-être. J'habite dans une chambre de bonne contre-service, donc je fais du babysitting parfois. J'ai quand même fait le choix de déménager si loin de ma famille, parce que c'est, honnêtement, ça, pendant longtemps, ça a été un rêve. Mais après, c'est compliqué. On ne pensait pas qu'on allait dépasser le stade des confinements, des distributions pendant les confinements. Maintenant, ça ne s'arrête pas avec les prix du chauffage, du gaz et l'inflation des prix des denrées des supermarchés. Ça devient de plus en plus difficile de tenir pour les étudiants et donc il y a une vraie précarité. Nous retrouvons Astrid dans la chambre de 9 mètres carrés qu'elle occupe en échange d'une trentaine d'heures par mois de babysitting. Pour payer son électricité et ses charges, elle compte aussi sur un prêt étudiant obtenu en Suède. Je sais que chaque repas que je fais, c'est un repas que je vais payer dans 20 ans. Peut-être jusqu'à mes 60 ans. Et honnêtement, ça me stresse. Il y a toujours ma famille aussi, mais eux aussi, ils sont dans une situation d'économie, surtout cette année avec les prix d'électricité et tout. J'ai fait le choix d'aller ici et je suis contente. Mais après, effectivement, il y a des moments où c'est difficile quand on a faim et on passe, c'est la fin du mois. Et on sait que bah, si je mange beaucoup trop aujourd'hui, je ne peux pas manger demain. Je quitte Paris pour la ville universitaire de Rennes, au nord-ouest de la France. Étudiant boursier en deuxième année d'histoire, Yeltas dispose d'un budget de 250 euros par mois pour vivre. Sa mère paye le loyer de sa chambre universitaire. Pour le reste, il doit compter sur les distributions alimentaires de son syndicat étudiant et les vêtements bradés par les organisations caritatives. À 19 ans, le jeune homme s'accorde aussi quelques rares sorties. C'est en fait ce qui nous fait tenir. La majeure partie du temps, en fait, parce qu'en tant qu'étudiant, on a tous les mêmes problèmes. On sait très bien cette peur de la fin du mois, ou de devoir bosser, ou de devoir passer partiel, c'est des choses qu'on partage tous. Je rêverais d'avoir une allocation d'autonomie étudiante qui nous permettrait à tous et toutes et tous, en fait, de pouvoir juste nous concentrer sur nos études, en fait. Yeltas mise aussi sur les repas à 1 euro dont bénéficient les étudiants boursiers au restaurant universitaire. Ceux dont les revenus familiaux sont supérieurs au seuil d'accès aux bourses n'ont souvent pas d'autre choix que de travailler pour financer leurs études. Comme Théophile, qui, faute d'aide de sa famille, travaille au bar associatif de sa faculté. Après 5 ans d'études en sociologie, il est à bout de force.
Je suis à 20 heures par semaine en bas pour prendre restauration. À côté, je dois gérer tous les stocks ici. Je lâche les cours, je vais sûrement pas aller aux examens. Je peux pas me permettre de lâcher le boulot que j'ai à côté. Pas question pour Élodie, 21 ans, de renoncer aux études. Mais elle revient de loin. D'abord étudiante à Lyon, à l'autre bout de la France, elle y avait perdu ses aides sociales après avoir redoublé deux fois lors des confinements. Venue prendre un nouveau départ à l'université de Rennes, elle a dormi dans sa voiture pendant un mois avant de retrouver un logement. Elle ne peut travailler sous peine de priver sa mère sans emploi de son allocation sociale. En fait, nos revenus sont comptés ensemble. Et si je travaille, elle aura beaucoup moins d'aide. Élodie me reçoit plus tard dans la chambre universitaire qu'elle occupe depuis un mois, après de longues batailles administratives. La jeune femme souffre d'une maladie génétique, de troubles neurologiques et d'autisme. Ses frais médicaux ne sont que partiellement couverts. La bourse dont elle bénéficie de nouveau lui permet tout juste de survivre. J'ai environ 590 par mois, sachant que je n'ai pas d'aide au logement. Donc je paye 300 euros de loyer, entre 100 et 170 euros de frais médicaux par mois. Et en budget nourriture, j'ai à peu près 30 euros par mois. Sans les distributions alimentaires, entre autres, j'arrive plus à participer en cours, je m'endors pendant les cours, j'arrive à sécher, du coup, pour essayer d'aller voir un assistant social ou voilà. Aller aux distributions alimentaires. On va pas se mentir, souvent, quand je rentre chez moi, je pleure. Et après, je me mets à faire tout ce que j'ai à faire. C'est besoin de décompresser un bon gros coup, et après c'est bon. Il faut garder le courage. Je termine mon parcours à Lyon, au sud-est du pays. L'une des villes les plus chères de France, où là encore, les étudiants ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Outre les distributions alimentaires, ils peuvent recourir aux quelques épiceries solidaires gérées par la Fédération des associations d'étudiants de la ville. Une partie des produits est gratuite, le reste est vendu à 10% des prix du marché. Ça te fait 2,82€, 87 pains. D'accord. Les nouvelles aides promises par le gouvernement sont dérisoires, estiment les organisations étudiantes. Elle réclame une réforme en profondeur du système de bourse qu'elle juge insuffisante et inégalitaire. La précarité qu'on peut connaître chez les étudiants, c'est une charge mentale qui est énorme pour ces étudiants-là. C'est des étudiants qui sont obligés de se salarier. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'au-delà de 12 heures de job étudiant en dehors de ses études, c'est multiplié par 3 son risque d'échec. Ça fait un moment qu'on dit et qu'on attend la réforme des bourses sur critères sociaux. Là, c'est vraiment urgent de la mettre en place pour que les jeunes aillent bien et puissent continuer leurs études dans de bonnes conditions. En attendant la réforme, les organisations caritatives multiplient les services aux étudiants de plus en plus nombreux à les solliciter, comme ici au Secours Populaire. Outre un coup de pouce matériel, ils trouvent conseil et soutien dans leur démarche, qu'il s'agisse d'accéder aux aides sociales ou de trouver des emplois. Tous les étudiants que je rencontre dans la permanence, je vois en fait qu'ils ont envie d'y arriver. Nous, en fait, on les accompagne sur un temps qui est en moyenne de 6 mois. Ça peut être beaucoup moins longtemps. Et donc, on voit qu'en fait, les étudiants ont envie de s'en sortir et puis ils finissent par s'en sortir. S'en sortir, Alexandra, 25 ans, y est déterminée. Venue de Colombie il y a 4 ans comme jeune fille au pair, elle est en deuxième année de licence de lettres et de langues. En tant qu'étudiante étrangère, elle n'a droit ni à une bourse ni au logement étudiant. Elle continue à garder des enfants pour financer ses études. Je gagne à peu près 500 euros. Mais mon loyer, il coûte 445. Et en plus, bah, je dois payer les 25 pour les transports. Mon téléphone, il coûte 13 euros. Donc ça ne me laisse pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Même si j'ai pas beaucoup, bah, je me dis, en fait, c'est un peu les chemins que tu dois parcourir pour pouvoir arriver au bout, quoi. Ce que tu veux avoir dans ta vie, donc c'est pour ton futur. Donc c'est ça que je me dis toujours et j'arrive à gérer comme ça. Ouais. Au revoir, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.